Alors bonjour, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon premier swap que j'ai fait avec une fille que j'ai rencontrée sur Facebook. Donc voilà, elle s'appelle Alexia. Donc merci Alexia pour ce premier swap. Donc c'est un thème rose. Donc je vais vous montrer la taille du colis. Donc il est énorme. Donc je vais vous dire la valeur qu'on s'était fixée, c'était 50 euros. Mais je pense qu'elle l'a largement dépassé. Parce qu'en ouvrant, j'ai vu le menu. Et le menu, il fait 2 pages. Donc c'est numéroté. Et il y a 30 numéros. Moi, j'ai la honte. Moi, j'ai trop honte. Je crois qu'il y en avait 15 ou 20, je sais plus. Mais bah allez, ça, je vais commencer tout ça. Je vais commencer à ouvrir devant vos yeux. Donc je vous montre comment c'est à l'intérieur. C'est bien emballé avec du papier de soie. Moi, j'ai rien trouvé de tout ça. Donc j'ai fait les papiers cadeaux et j'ai tout mis dans un petit carton pour pas que ça se trimballe de trop. Donc bah, je vous préviens que ma vidéo, elle risque de durer un petit peu plus longtemps que celle de d'habitude, mais je suis hyper contente. Donc bah, j'enlève tout. Ça fait du bruit. Ça sent bon, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon. Donc j'ai une plaquette Coco Chanel. Peut-être ça qui sent. Chanel Coco Mademoiselle. Ah oui, c'est ça au milieu. Et ça a embaumé tout le carton. Ça sent trop bon. Donc ça, je vais l'ouvrir à la fin. Ça, en fait, je lui avais demandé de me l'acheter. Vous allez voir ce que c'est à la fin. Ça fait du bruit. C'est quelque chose qui est très limité, en quantité très limitée et qui se trouve que à Sephora. Ah, je vais vous dire ce que c'est à la fin parce que moi je sais ce que c'est vu que je lui ai remboursé. Parce que j'habite dans le 78, mais cet objet-là ne se vendait qu'au Sephora des Champs-Élysées et aux Champs-Élysées ils étaient toujours dévalisés. Finalement, c'est en quantité très limitée. Elle habitant vers Strasbourg, à Mulhouse, elle l'a trouvé hyper facilement. Donc je le pose sur le côté. Donc il y a aussi du papier craft. Désolée pour le bruit. Donc j'ai trop hâte. En plus avec des numéros. Alors, 1 au naturel. Alors le 1. C'est lequel? Déjà là, je vois trop de choses qui me font hyper plaisir. Alors le 1, c'est celui-là. Donc j'ouvre au naturel. Bon, on avait dit thème rose. Les papiers sont pas hyper roses. Mais je lui avais dit que j'aimais bien toutes les autres couleurs. Donc c'est pas grave. Donc c'est un kit pour un kit de fard à paupières. Donc je vais ouvrir l'emballage. Donc il y en a 4. Marqué. Waouh, c'est super joli. En plus, il y a une petite glace. J'adore les palettes. Bah merci beaucoup déjà Alexia pour ce premier cadeau. J'adore. En plus pour mes yeux bleus, mais c'est les couleurs parfaites. Oh, merci, merci, merci Alexia. Déjà, j'adore le premier produit. Alors, désolée, moi, pour te dire, j'ai pas pris trop de choses de beauté. Oh là là, j'espère que ça va te plaire mon swap. Franchement, j'ai trop honte là. Oh, j'espère que tu voudras en refaire avec moi et je m'améliorerai parce que c'était mon premier swap et je crois que je l'ai loupé avec toi. En tout cas, j'espère que ça te plaira quand même. Donc, un teint parfait au quotidien, le 2. Le 2. Bon, on voit que t'as l'habitude de faire des swaps, hein. Parce que moi, c'était pas le cas. C'est trop mignon. Franchement, tu dis que tu sais pas emballer les cadeaux, mais c'est vachement bien emballé.
Alors, c'est une bébé crème de Balea. Non, je connais pas. Et c'est une couleur. Donc là, dernièrement, j'ai acheté une bébé crème. En plus, ça fait pas longtemps, mais j'aurais une bébé crème de Garnier. Bah, la couleur, c'est parfait, hein. Regardez, sur maman, ça se voit même pas. C'est vraiment. En plus, il y a une odeur. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. Je crois que ça sent la papaye. Bon, en tout cas, merci. Et les produits sont tout frais. Donc, je vais mettre tous les produits là. Hop, de ce côté, les emballages là-bas. Donc, le 3 de ta couleur préférée. Je lui ai dit que j'adorais le rose, le bleu turquoise, le rouge. On va voir ce que c'est. Donc, c'est vraiment bien emballé, hein, du papier bulle. Moi, je voulais mettre des petites chips de polystyrène. J'ai fait énormément de magasins. Et tout le monde... enfin, j'en ai vu à Carrefour, c'était genre 38 euros le gros... Enfin, le petit truc en plus. Et moi, j'ai dit, bah non, déjà le swap, il est à 50 euros. Je crois que j'ai mis pour 80 ou 90 euros dedans, mais... Et il y a beaucoup moins de choses. Donc toi, je sais même pas combien t'as mis dedans, mais c'est trop, trop gentil. Donc c'est le 3 que je cherche. Le 3, le 3, le 3. Ah, j'ai le 4. Le 3, je trouve pas. Il est où? Il a caché. Mais ça sent trop bon dans le carton. Donc là, il y a deux petites pochettes. Je crois que c'est des surprises. Donc, je les ouvrirai à la fin. Donc le 3. Mais vraiment, merci, merci, merci Alexia. Là, tu m'as chouchoutée. Bon. Je trouve pas le 3. Donc on va passer au 4 que j'avais vu. Et c'est un truc de chez Lush. Donc je lui ai dit que j'avais jamais testé de produit Lush. Donc franchement, merci, merci, merci. Donc c'est un cosmétique frais fait main. Rockstar. Ça, je sais pas si c'est ça qui sent bon, mais pff, ça sent trop bon. Alors, hop. Donc c'est comme ça. Ça sent bon. Ça sent trop bon. J'ai arraché l'étiquette, hein, du coup je sais même pas. Ah, c'est notre savon best-seller et rose et sucré, mais pas réservé qu'aux petites filles. Donc c'est un savon. Donc c'est un savon pour les mains, je pense. Hein. Donc ça la découpe et tout, c'est au poids qu'elle a dû payer. Donc merci Alexia. Et c'était quoi? Une odeur à croquer. Le 4. Donc le 3, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Le 5, pour tes petites lèvres. Donc c'est celui-là, le 5. Je pense que c'est un baume ou un gloss. Glam Royal. Hop. Longue tenue à l'aloe vera. Super. Ouais, c'est un gloss. Ça, je vais le mettre.
Donc j'ai juste le retour caméra. Il est super agréable. Et vu que j'ai les lèvres hyper gercées, l'aloe vera, ça va me les réparer. Merci Alexia. Le 6, trio rose pour le corps. Le 6. Alors... donc il y a un lait pour le corps, un gommage pour le corps et un gel bain douche. Donc c'est au jasmin. Donc voilà les trois produits. Ça sent bon. C'est vraiment... oh là là. Mais vu que moi j'avais jamais fait de swap, je savais pas trop quoi mettre. Mais là maintenant tu m'as donné plein d'idées et franchement je m'améliorerais si on en fait un autre. Si tu veux bien en faire un autre avec moi. Enfin, je pense que tu vas être déçue, mais bon, c'est pas... enfin, moi, je serais un peu déçue que tu ne veux pas en refaire, mais bon, tant pis, c'est ton choix. Donc, petit rangement pour ton sac à main, le 7. Alors, petit rangement pour ton sac à main. Donc, si je vois le 3, je vous le dis. C'est trop beau. C'est un rangement pour le portable. Donc rangement pour portable, MP3 ou appareil photo. Oh, trop joli. Rouge. Bah, je lui ai dit que j'aimais bien le rouge. Hein. Donc elle n'a pas forcément respecté le thème. Mais je m'en fiche, c'est trop joli. Avec en plus un petit chat. Un petit chat dessus, vous voyez. C'est trop beau et ça brille. Et voilà, ça s'ouvre et c'est tout doux en velours dessus. Donc c'est hyper pratique. Donc rafraîchissante et hydratante, les 8. Donc je vous rappelle qu'il y en a 30. Ah, le 3, je l'ai trouvé. De ta couleur préférée. Oh, un bleu. De essence, tiens. J'ai jamais testé cette marque là, donc le bleu ciel, le bleu turquoise, j'adore. Merci Alexia, parce que du coup j'avais jamais testé la marque essence et tout, donc déjà Lush j'ai jamais testé, ça me tentait bien parce que j'avais été dans un Lush, demander conseil et tout, et j'avais rien acheté parce que j'avais pas encore assez d'argent, j'avais pas d'argent, donc elle était très gentille à répondre à mes questions. Donc le 8, j'ai toujours pas pris le 8. Alors je vois le 9. S'il y en a pas qui sont allés en dessous, parce que les 8 je le trouve pas, je trouve le 18, le 9, ah le 8, ça y est. Donc c'est rafraîchissante et hydratante. Donc c'est une brume rafraîchissante, c'est hyper froid. Je pense pas que je vais l'utiliser là, mais pour cet été, ce sera pas mal. Donc ça vient de Nocibé en plus. Toute peau, même sensible. Votre peau sera rafraîchie et hydratée. Convient à toute peau, même les plus sensibles. Bah super. Et s'utilise également sur le corps. Donc si on a trop chaud, hop, on se le met et tout. Donc merci Alexia. Je vais te dire merci tout le temps, hein. Tac pour une finition de ton teint. Pour la finition de ton teint, le 9. Je l'avais vu.
plus à alterner. Elle a alterné le doré et le comme ça. Et le rose avec des cœurs. C'est trop joli. Donc c'est Varenne's Kit Makeup. C'est poudre compacte. Donc c'est super joli. Donc voilà une poudre avec un miroir en haut. Mais c'est vraiment joli tous ces petits coffrets. Je sais pas où tu les as trouvés. Mais c'est super beau. Made in France, Varenne's Makeup. Je sais pas où t'as acheté ça, mais moi j'ai jamais vu. Mais j'adore. Une étape essentielle pour tout rituel beauté. Bon, moi j'espère que tu vas pas m'en vouloir parce que la beauté et tout, ça fait depuis quoi ? Peut-être depuis mon anniversaire, du coup depuis le mois de mai de cette année que je m'intéresse énormément à la beauté. Que je suis vraiment à fan, enfin je suis folle de beauté, donc je m'y connais pas trop. Donc là, c'était marqué une étape essentielle pour tout rituel beauté. Donc c'est des lingettes démaquillantes. Visage, yeux, face. Il y en a 40 dedans, c'est énorme. 40 lingettes démaquillantes. Donc je pense qu'il n'y en a besoin que d'une. Donc ça peut me faire 40 jours, ouais. Ou 20 jours, si j'en fais deux par jour. Je verrai. Bah merci, hein. Oh là là, ça me fait trop plaisir. Une peau douce et fruitée. Le 11. Alors le 11, il est là. C'est un gros truc en plus. Sauf que le numéro il était derrière. Donc c'est une édition limitée en plus. De Balea. La marque Balea Body Lotion. Non bah c'est pas marqué en français. Mais bon voilà. Body lotion. Une peau douce et fruitée. Donc ça doit être un gel douche, je pense. Donc tu m'as mis. Regardez. Hop. En tout cas, ça sent. Enfin, je sais pas si c'est ça qui sent bon, mais ça sent hyper bon. Et le truc, je le sens. Oula. Oh mince. Je l'ai ouvert et ça s'est renversé sur ma tunique. Ouais, ça doit être du gel douche hein, ou de la crème. Ou de la crème de douche. Du lait pour le corps. Je pense que c'est plutôt une... Je comprends vraiment pas l'allemand, donc... Bon, j'irai voir ou je te demanderai du coup qu'est-ce que c'est, si c'est un lait pour le corps ou une crème. Ou quelque chose qu'on rince. Alors, une autre couleur que tu aimes beaucoup. Le 12. Donc là, je les vois un petit peu plus. C'est pour ça que je cherche plus trop. Là, ils sont tous un peu... Donc du rouge. Trop cool. Du vernis. Oh ouais, ça fait vraiment rouge. Hein. Super, merci Alexia. Bah le vernis c'est vrai je peux pas en mettre tout le temps, là j'en ai pas parce que je travaille auprès des enfants, du coup j'ai pas le droit d'en porter. Des mains douces c'est essentiel, oh là là, une crème pour les mains, mais trop bien parce que je suis à court,
Je vais être à court de la mienne. Et d'en découvrir une autre, je suis toujours preneuse. Donc c'est de la marque Essence. 24 heures de protection. Hop, c'est le comme ça. Je vais tester. Et elle a mis du scotch sur tous les produits. T'as dû passer vachement de temps à les emballer. Ça sent bon. Alors, le 14. Une miniature rosa emportée partout. Oh, c'est joli, c'est trop beau. C'est une autre toilette de Gap. Donc c'est trop mignon. C'est une petite, un petit flacon. Haute toilette, il y a 10 ml dedans. Vous voyez ce que ça fait, 10 ml. Pour un sac, de temps en temps, c'est super bien. Je vais le mettre directement dans mon sac. Un produit que j'affectionne tout particulièrement. Donc là, franchement, je me vois trop dans les swaps que font les filles sur YouTube, qui reçoivent et tout. Et merci, merci Alexia, parce que avec moi, tu vas pas être comme ça. Tu vas pas être aussi gâtée, et c'est pas des trucs de beauté, donc je suis un peu désolée. Donc le 15. Donc c'était marqué quoi? Un produit que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est un rouge à lèvres. Donc je sais pas où elle a cette marque Essence. Mais ça vient aussi de la marque Essence. C'est un rouge à lèvres rose. Trop joli. Donc le gloss, le rouge à lèvres, il est trop joli. Playboy. Ah ah, Playboy. Le 16. C'est un gros truc en plus de Playboy. Oh là là, une crème de douche. Oh, en plus, à la cerise. Qu'est-ce que j'adore la cerise. Oh, l'odeur de cerise. Et dire que si tu stressais que ça me plairait peut-être pas ton swap. Hein, mais alors là, j'adore. Ça sent bon. Ça sent super bon. Playboy. Après, du coup, le 17. Romantic Ice. Donc je suis trop... j'ai trop pas... Enfin, j'ai pas hâte de finir ce swap. Parce que là, c'est la fin et j'adore. On se dirait Noël. Avec tous les balais des cadeaux. Et à Noël, j'aurais pas autant de cadeaux. Hein. Ça, c'est clair. Oh, encore une petite palette. Hein. Trop jolie. Avec un beau rose. Un beau rose là. Hop, je vous cache un peu la lumière. Ça, vous pouvez un peu mieux voir. Un peu mieux voir les couleurs. Elles sont super jolies. Donc la marque c'est YSSY. Ombre à paupières. Il y en a 6. 6 ombres à paupières. 18. À emmener en voyage. Oh, c'est trop mignon. C'est un shampoing pour le volume des cheveux de Nivea. C'est mignon. C'est un tout petit format. Je sens. Ça sent bon. À emmener en voyage. Bah, je penserai à toi quand je l'emmènerai. Une peau douce, dis donc. Je vais avoir une peau hyper douce avec toi. Hein. Un maquillage de folie, des cheveux trop beaux. Merci, merci Alexia. Alors le 19, c'est tac. My Scan d'essence.
La marque Essence. Disons que t'as dévalisé le magasin Essence, hein. Je vais le sentir un peu, hein, toujours. Ouais, ça sent bon. C'est très léger comme parfum. Je crois que c'est un parfum de grenade. Regardez, il y a le dessin. Ah, c'est un petit pot comme ça. C'est pour une peau douce. Et vu que c'est pas marqué en français, c'est marqué encore en allemand. Je sais pas trop, je crois que je vais faire la traduction sur Google pour savoir ce que ça veut dire. Donc une très utile avec le froid qui arrive. Ah, quelque chose pour le froid. Ah, ça va peut-être un baume à lèvres du coup. Oh, la cerise encore. Oh, j'adore. Là, je m'en suis acheté un à Carrefour. C'est un baume à lèvres au cassis. Et je l'adore. Je le mets tout le temps. Et là, la cerise. Hop, je l'enlève du carton. Je vais le sentir. C'est de la marque Balea. Kirch. Kirch. Ça va, il y a pas mal là. Il est assez grand. Je vais me foutre sur le nez. Donc, ils sont bons. Ils sont hyper bons. Sous la douche, le 21. Ah, c'est là. C'est celui-là. Donc, une fleur de douche. Super. Bah, merci Alexia. Bah, du coup, j'en ai acheté une. Bah, Marionneau aussi. Pas... Enfin, c'est pas la même. Hein. C'est dans une trousse de voyage. Donc, à Marionneau, comme ça, c'est la deuxième. Quand celle de Marionneau sera finie. Merci. Toujours utile pour être au top. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, un déodorant, bien sûr. Mais c'est trop mignon ces petits formats. C'est compressé. C'est un format compressé. Donc la contenance, c'est 200. Enfin, c'est 100 millilitres. Mais en gros, c'est un flacon de 200 millilitres qu'ils ont compressé en petits flacons. Et ça, c'est super pour mettre dans le sac à main. Comme ça, si on pue quelque part, hop, 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 sous le bras et c'est bon. C'est génial. Merci, merci, merci. Prendre soin de sa peau au quotidien, le 23. Oh là, je me dis, il n'y a plus que 7 produits à ouvrir et après, c'est fini. Alors, c'est quoi ça? Triple common. Alors désolé, hein, je parle pas du tout anglais. The Rash Peri Kiss. Donc voilà ce que c'est un petit pchipchit. Très tata, toujours utile pour être au top. Je regarde non, ce que c'est. Ah, c'est une crème.